Hey, Patrick. Oui. Comment? Pourquoi tu es venu en retard ce matin au travail? J'ai décidé que je ne peux plus travailler dans ce garage. Mais parce qu'un fer peut couper mon pied doucement comme ça. Comment le pied peut couper, le fer peut couper le pied de quelqu'un? Tous ces machins là, ça pèse trop. D'abord même l'autre jour quand je suis rentré, j'arrive pas à passer les reins, je pas passer les reins. Mon ring m'a fait mal, je voulais même que je... Donc c'est pour ça que tu as décidé que tu ne peux plus travailler dans ce garage? Non, à partir d'aujourd'hui. Tu as vu comment, je t'ai vu comment tu portais ce manque de fer là, ça voulait te tuer. Je dis que mon ring est en train de me faire mal. Je ne te comprends pas, Batré. Ouais, frère. Ouais. Tu sais? Non. J'ai le secret. Quel secret? On va devenir riche. Comment? Je dis qu'on va devenir riche. Comment on va devenir riche? Tu crois que les gens qui écrivent partout que Marabout guérissait, tu crois qu'il fait la magie? Il ne connaît rien. Tu dis les gens qui écrivent les plaques partout là? Ouais. Rien. Il ne connaît rien. Nikis. Ouais. Alors j'ai décidé que on va devenir aussi des grands marabouts d'Afrique. Hein? Madre, tu es dangereux. Hein? Si ma mère qui est au village comprend que je suis devenu marabout, elle va dire que qu'est-ce qui est entré sur moi. Que? Si ma mère comprend que je suis devenu guérisseur, elle va dire que qu'est-ce qui est entré sur moi. Si ta mère mort maintenant, qui va lui plantation? Hein? Hein? Tu vas lui planter comment? Tu vas lui acheter les secrets ingrés. On se débrouille. Non, mais je me débrouille. Arrête, laisse. Non, tu es fort. Non. Allons. Tu deviens marabout. Moi, Non. Je te vois. Non. Tu es fort. Le gars. Non, attends, je vais couper court. C'est toi qui seras marabout. Pourquoi? Non. J'ai décidé comme que c'est toi. Non, c'est toi. Comme tu es influent. Bon, d'accord. D'accord. Ouais. Bon, pour ne pas tirer à longueur. Ouais. Je deviens marabout, tu deviens mon aide. Voilà comment mais tu allais. Mais c'est même si l'argent vient, ne demandez pas beaucoup. Hein. Ouais. Bon, ce que tu dois faire, hein? Ouais. Va chercher le gars qui écrit sur le tableau. On l'appelle en français le graveur. Non. En bon français. Ah ouais, je vois. Le peintre. Tous les jours, tu veux te montrer aux gens que tu connais. On l'appelle le peinturier. Batre, j'ai quand même... C'est pas parce qu'on est dans ce chantier. J'ai quand même le niveau du cours primaire supérieur. Faut pas quand même exagérer. On donc tu me dis parce que j'ai fait l'école normale inférieure. Tu veux alors quoi? Tu me devais souvent. Hein. Tu lui dis que ici, grand marabout d'Afrique, guérisseur international. Ouais. Après, tu dois. On écrit quoi? Batre, fous-moi le camp. Si tu veux écrire une plaque, je veux aller voir ce gars. Moi-même, je vais lui dire ce qu'on va écrire. Tu vas lui dire que je quoi? Je connais déjà ce qu'on va écrire. On va écrire. Ouais. Grand marabout international. D'Afrique. D'Afrique, ouais. Voilà. Si tu veux, alors. Traite toutes les maladies du monde. Voici. Les tristesses, les bonheurs. Le malheur, le joie. Le chagrin, les douleurs. La mort, la vie. Même le gonique. Quelqu'un qui a été de vouloir mourir, on lui met debout. On lui réveille. Mais tu es sûr que ça va marcher? Tape-moi la main. Il ne faut pas qu'on fait comme ça prend la tête de quelqu'un. Non. C'est le Saint-Esprit qui est venu me parler dans la vie. Non. Alors, clôturer les plaques là, je veux dire que tu traites même le sida. Bon, frère, commence à orner les maisons. Tu cherches les aigles. Comme ça, je m'en vais aller voir le graveur. Toi-même, tu vas voir les miracles que j'ai fait dans, ouais. Que je bon, me fais dans les temps. Frère, on abandonne ce chantier. Hein. Il va se débrouiller, il ne nous paie même pas. Ouais. Un pont comme ça. Là. Voici. C'est comme ça. Si mon frère entre ici... Batre! Oui! Batre! Oui! Comment? Hey! Je vois tu as déjà miracles. Terminé, hein? Je vois le miracle. Comment? Qui? Comment? Donc, présente-moi. Je t'avais dit non. On peut faire comme ça, on se retrouve des vrais marabouts, hein?
Et si c'est le canari, on va mettre l'argent. Tu peux faire comme ça, on devient les vrais marabouts. Laisse, on va gagner de l'argent. On sera riche. Regarde, tu vois, si quelqu'un vient, on fait comme ça. On lui dit qu'on lui cherche ici. Attends, je regarde pour toi. Patrick, on peut devenir des vrais marabouts. Attends, je regarde pour toi. Viens, viens voir les surprises que je t'ai apportées. Viens voir les surprises que je t'ai apportées. Tu m'as gardé? Viens voir les surprises. Tu m'as gardé quelque chose? Ouais, viens. Tu m'as gardé viens. Quoi? Bon, attends ici, tu comprends? Pour ton surprise? Ouais, je t'amène une très dangereuse surprise. Reste ici, tu m'entends? Mais voici que je t'attends. Il ne faut pas bouger, hein? Je ne bouge plus rien. Elle peut faire comme ça que je ne sais pas que... Quelle surprise il va me faire? Quelle me fait surprise? Oh. Battre! Battre! Hey, Battre! Tu peux avoir un enfant? Prends, va les surprises. Prends-lui! Comment? Elle est malade? Elle est malade? Prends, c'est les surprises. Elle veut mourir? Non! C'est les surprises. Mais elle est en bonne santé, hein? Ouais! Comment ça va? Ça va, petit. Je t'ai bien dit que c'est un dangereux. Elle m'a fait même petit. Hein? Allons voir le laboratoire avec lui. Oh la merde! Non! Tu vas voir! Lucas, t'as dit que c'est là. Voici les laboratoires. Voilà, Patrick, comment on va alors faire maintenant? Bon, on va lui habiller. Ouais. On lui met les courriers, on lui met tout, il devient le grand crâne du monde. Voilà. C'est lui qui va alors tout dire comme tu l'as amené. Ouais. Tu comprends, non? Ouais. Amène-le. Amenons-le derrière. Oui. Amenons-le derrière. Comme ça, on lui change et il entre dans le laboratoire. Allons. C'est devenu très dangereux. Tu vois Zamzin? Non, on l'a changé. Zamzin est devenu dangereux. Oui, si quelqu'un vient ici, il me fait Zamzin le mange. Non, c'est bon, hein? Non. Zamzin, va. Si quelqu'un vient, tu lui es frais, hein? J'entends quelqu'un dehors. Hein? J'entends un bruit. Bon, attends, je m'en vais regarder. Oui. Peut-être les clients sont déjà là. J'entends un bruit. Commencez à vous conjurer. Zanzi, commence à te conjurer. Je m'en vais voir les clients qui sont dehors. Hein. Bon, ciao. Ok.